Le monde, c'est un bel cavalier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. J'ai pas fait de vidéo depuis, je crois que ça fait environ un mois. Parce que bon, j'avais pas de thème sur lequel faire des vidéos. Voilà, donc maintenant, j'ai trouvé quelques petits cryptos encore que je vais essayer de vous mettre ça en exergue. Voilà, vous essayez de bien détailler dessus. Donc, je tiens à vous préciser qu'avant que la vidéo ne commence, je ne suis pas un conseiller en finance, voilà. Donc, pour éviter tout risque et péril, prenez vous-même vos informations, allez vous-même faire vos propres recherches. Voilà, dans la vidéo, je vais expliquer comment est-ce que vous ferez des recherches. Voilà, donc vous-même, vous faites vos propres recherches et vous décidez vous-même si vous voulez investir ou pas. Parce que ce n'est pas ma parole qui va dire, parce que vous dites d'aller investir là, vous allez investir, parce que vous dites d'aller investir là. Et lorsque demain, il y aura des pertes, vous allez dire, bon, c'est Nobel Cavalier qui a fait ça. Donc, vous-même, prenez vos propres décisions et vous-même faire vos propres recherches. Ok, donc à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, je vais faire un exemple sur la dernière crypto-monnaie, comment acheter. Donc ça, la vidéo, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'achat des crypto-monnaies. Arrêtez d'acheter chez les revendeurs. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous devez acheter la crypto-monnaie. Ok, donc sans plus tarder, moi je vous dis let's go. Ok les gars, ici, la première crypto-monnaie, c'est Safe Tesla, comme vous le voyez. Je ne sais pas s'il y a un bon nombre d'entre vous qui connaissent Safe Tesla, ok. Donc, Safe Tesla, au fait, Tesla, c'est une marque de voiture en griffe, voilà, dont Elon Musk est le propriétaire, voilà. Donc, il avait légalisé l'achat des par les bitcoins. Moi, là, quand dit Safe Tesla, je ne sais pas si c'est la société elle-même qui a fait Safe Tesla ou ce sont des gens qui sont passés pour faire de la monnaie sur Safe Tesla, tout simplement. Donc, cette monnaie, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Voilà, donc je vais tiens à vous préciser que toute monnaie, si elle est faite par des arnaqueurs, lorsque la monnaie prendra de l'ampleur, les gars ils possèdent 40% de la monnaie. Donc une fois que ça prendra de l'ampleur, ils vont vendre les 40%. Voilà, et elle va perdre totalement de la valeur, tout simplement. Donc faites vous-même vos propres recherches, ok. Donc là, comme vous le voyez ici, sur Safe Tesla, elle a encore 6 € à brûler. Il lui reste 6 € à brûler. Donc je crois que lorsqu'on va dans sa courbe. Maintenant tout, ok, vous voyez, au sommet là, elle avait brûlé jusqu'à l'URC 4-0 à brûler. Et là, elle est retournée vers les 6 € je crois. Donc, l'URC jusqu'à 4-0 brûler. Après, comme vous le voyez, elle a connu des hauts et des bas. Et puis ensuite, elle a totalement baissé. Donc, selon moi, mon avis, 4-0 qu'elle a brûlé. Selon moi, dans quelques mois, elle pourra reprendre un peu de la valeur. Voilà, d'ici un an. Et pouvoir répondre la valeur. Donc pour ceux qui ont investi au moment où le prix est encore bas, vous pouvez essayer de faire des bénéfices là-dessus, tout simplement. Donc vous pouvez aller sur le site internet, voilà, comme vous le voyez ici, je vais cliquer sur le site internet de Safe Tesla. Ok, donc sur le site internet, attendez là. Ok, là même le site internet il bug. Ok les gars, je viens de vérifier, ils n'ont pas de site internet, ils ont ils ont un compte Twitter, voilà. Ils n'ont pas de site internet, ils ont un compte Twitter. Donc, on peut vérifier directement sur le compte Twitter. Voilà, ils ont 16 000 abonnés, voilà. Donc, je vous dis que on a un crypto-monnaie parce que si vous regardez bien dans mes vidéos, je parle précisément des shitcoins. Parce que les shitcoins sont quand il y a un shitcoin, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui peut perdre de la valeur à tout moment. Et lorsque je dis perdre de la valeur, c'est pas faire les moins 2, les moins 30%, les moins 100%. C'est-à-dire qu'elle va perdre une grosse valeur à n'importe quel moment, parce que les détenteurs de la crypto, les développeurs, ils peuvent vendre, si ils ont 50% de la crypto monnaie dans leur réserve, ils peuvent essayer de mettre 50% en capitalisation, c'est-à-dire que ceux qui ont essayé d'acheter la crypto monnaie, 50%, ils gardent 50% pour nous, plus les autres 50% c'est pour eux. Donc lorsque les autres vont essayer d'investir, la crypto monnaie va prendre la valeur, et eux, lorsqu'ils ont les 50%, ils vont vendre tout, et elle va perdre totalement la valeur. Donc on ne sait pas qui est qui. Donc si c'est testage, je ne peux pas vous dire, allez investir. Les yeux, non, faudrait que vous essayez de faire des recherches dessus et vous investissez tout simplement. Ok, donc vous-même vous prenez vos propres décisions. On passe ensuite à la deuxième crypto. Ok, la deuxième crypto monnaie c'est la Hakuna Matata. Je sais pas si les gens le connaissent. Donc, ici elle aussi elle a 6 € à brûler et précédemment elle avait brûlé, je sais pas c'était quand là. Le 27 mai, le 28 mai 2021, elle avait jusqu'à 4 € à brûler. Donc, la raison pour laquelle vous dites qu'en crypto-monnaie, premier arrivé, premier servi. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu plus vite, voilà, pour ceux qui sont arrivés un peu plus vite, ils ont pu bénéficier. Et lorsqu'elle a pris la valeur, ils ont vendu. Donc, là, comme vous le voyez, elle a chuté totalement. Donc,
Il lui reste encore 6 euros à brûler. Voilà. Il lui reste encore 6 euros à brûler. Donc, qu'est-ce que je vais dire ensuite? Là, vous-même, vous réfléchissez, vous prenez des informations. Voilà, vous prenez des informations, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Hakuna Matata Token. Voilà, Hakuna Matata Token. Et ensuite, là, le site est en construction. Voilà, the website is under construction. Voilà, donc, construction dans un jour, 20 heures, vous pourrez prendre plus d'informations là-dessus sur les sites, sur la crypto-monnaie. Mais pendant ce temps aussi, vous pouvez aller vérifier. Vous avez ici les Facebook, les Twitter, l'Instagram, les Telegram et les Discord. Voilà, ça dépend de vous là, des réseaux sociaux que vous voulez tout simplement. Vous cliquez dessus, vous essayez de faire un peu plus de recherche là-dessus. Ensuite, on passe à la troisième crypto. Ok, la troisième crypto-monnaie, c'est Shiba Cash Token. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas Shiba Cash Token, Shiba Cash Token, c'est une crypto-monnaie en griffe qui veut concurrencer. C'est pas concurrencer, même genre, il s'agit de sauver un peu ceux qui n'ont pas pu investir dans Shiba Inu. Voilà, parce que pour ceux qui savent, le Shiba Inu, il a fait un pump de malade jusqu'à les 1 milliard, il valait 32 000 dollars. Et imaginez pour celui qui avait, je sais pas, 100 milliards, c'était grave. Donc, ça aide un peu au secours de ceux qui n'ont pas pu investir dans Shiba Cash. Voilà, et dans Shiba Token au moins. Shiba Inu, s'il vous plaît, dans Shiba Inu. Donc, Shiba Cash Token, voilà, il va essayer de sauver un peu ceux qui n'ont pas pu investir dans Shiba Inu. Donc, je vous dis toujours, essayez vous-même de faire vos propres recherches. Voilà. Donc, je vais vous montrer le site web. Sur le site web, même, ils ont précisé qu'ils sont. Qu'ils vont essayer de sauver un peu. Voilà, je vais mettre la traduction en français. Nous sommes à l'origine, les chaînes d'origine, vous avez raté votre chance sur le Shiba Inu, ne ratez pas le Shiba Cash. Voilà. Donc, un peu comme un punaise de secours, on écrit pour nous. Voilà. Donc, voilà. Vous faites vos propres recherches. Vous voyez ce que, si la monnaie est bonne ou pas. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets la monnaie en public sur mon compte YouTube et vous la voyez, vous décidez d'investir ou pas. Donc, on passe ensuite à la troisième crypto et quatrième. Ensuite, les gars, la quatrième crypto-monnaie, c'est Pit Jupiter. Voilà, Pit Jupiter. Pour ceux qui ne connaissent pas Pit Jupiter. C'est une crypto-monnaie qui a été lancée par des anonymes. Donc, une fois qu'une monnaie est lancée par des anonymes, il faut faire gaffe parce qu'on ne sait pas si c'est une fausse monnaie. Quelle est fausse monnaie? Comme je l'ai expliqué précédemment dans les autres crypto-monnaies, les développeurs peuvent vendre une majeure partie de la crypto et elle va perdre la valeur. Voilà. Donc, PJPT, c'est une monnaie qui. Bon, moi, je possède cette monnaie-là. Même si ça valait n'est pas pour afficher dans votre wallet, voilà, vous-même, vous pouvez prendre votre décision. Voilà, cette vidéo que j'ai faite, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quelle crypto-monnaie investir, qui ne connaissent pas encore un peu trop le marché des crypto. Donc, je décide de faire des petites vidéos là-dessus. Donc, ensemble, on va visiter le site internet. Ok, les gars, lorsque nous sommes sur le site de Pit Jupiter, on dit bienvenue, bonjour Pit Jupiter, je donne la conduite. Le jeton de la communauté conduit est anti-baleine. Voilà. Donc, lorsque vous voyez qu'on dit c'est anti-baleine, c'est-à-dire que je ne peux pas acheter en masse une grosse quantité. Je prends un exemple, c'est une crypto-monnaie qui a une capitalisation. Bon, elle a été lancée avec 1 milliard de pièces. Voilà. Il y a des gens qui viendront acheter 300 millions de pièces. Vous pouvez imaginer. Je prends un exemple. Ils vont acheter 300 millions de pièces. 300 millions sur 1 milliard. Donc, ça fait qu'on va rester 700 millions pour la communauté. Donc, lorsqu'on va prendre la valeur, je crois que 300%, ça va être 30%, mais je ne sais pas, un truc comme ça, 20%. Donc, lorsque ça va prendre la valeur, quand on dit anti-baleine, c'est-à-dire que tu peux pas prendre une grosse quantité. Pour ceux qui sont baleines, lorsque ça prend la valeur, ils vont vendre les 300 millions qu'ils possèdent. Et on sent qu'ils vont prendre une quantité, la crypto va perdre une grosse partie majeure de sa valeur. Voilà. Donc, c'est la preuve anti-baleine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter une grosse quantité. Ils ont limité les quantités pour chaque détenteur de la crypto-monnaie. Voilà, donc ce sont indiqués une crypto-monnaie anti-baleine. Donc vous faites vos propres recherches, vous visitez les. Je crois qu'ils ont un Telegram, non? Bon, je sais pas si j'ai un Telegram, mais bon. Voilà, j'ai un Telegram, j'ai un Twitter, j'ai un Facebook. Voilà, donc vous visitez tout et vous prenez vos propres décisions. Ok, donc les gars là, pour ceux qui. Genre, parce que là-bas n'est pas affiché, je vais essayer de vous rédiger un peu. Bon, je sais pas. Ce qui est sûr. Lorsque je prends 1 dollar, voilà 1 dollar USDT, je crois que 1 dollar USDT, ça va faire 530 francs, 531 francs, un truc, on va prendre 530 francs. Donc pour 530 francs, si tu vas acheter, tu auras
3 millions, 1, 2, 3 milliards. Ok, je crois que tu auras 1 billion. Voilà, je crois que tu auras 1 billion. Voilà, 1 billion de la crypto. Donc, 1 billion pour 530 francs. Vous-même, vous voyez. Ensuite, on passe à la dernière crypto. La dernière crypto, c'est obligé, man. C'est obligé, le baby Dogecoin. Actuellement, il fait du buzz. Ok, le baby Dogecoin, je crois qu'une grosse partie de ma communauté, vous connaissez un peu le baby Dogecoin. Parce que sur les WhatsApp, tout ça parle à gauche à droite du baby Dogecoin. Ça parle du baby Dogecoin. Ok, donc, pour ceux qui connaissent le baby Dogecoin, exemple, bon. Je pense que vous connaissez le Dogecoin. Donc, le baby Dogecoin, c'est comme si c'est un enfant, un bébé du Dogecoin. Voilà. Donc, cette crypto-monnaie, je crois que je ne peux pas dire que j'en ai dirigé par quelqu'un. Bon, comme vous le voyez ici, lorsque je vais sur sa courbe, là, elle n'avait pas trop de valeur. Et ensuite, là, elle a connu une grosse valeur. Une grosse chute. Je vais vous expliquer un peu. Cette chute est dure à quoi? Cette chute est dure au tuteur d'Elon Musk. Voilà, je vais vous montrer ce tuteur. Voilà, voilà le tuteur qui est là. Ok, donc tout ce que lui a fait, il a tout simplement mis baby doge, baby dodo, do, baby doge, do, do, do. Voilà, tout, je sais pas. Voilà, donc lorsqu'il a mis ça, vous voyez, il en met, c'est un gars qui fait une main de buzz. Les PDG, je sais pas, d'une grande marque de voiture Tesla. Voilà, donc on le voit, il a 57 millions d'abonnés. Il croit que 50% sont des cryptos. Dans les crypto traders, voilà. Donc, une fois qu'il a mis ce tweet là, ça a fait énormément de buzz. Il a publié ce tweet là le 1er juillet. Ok, lorsqu'il a publié ce tweet le 1er juillet, là nous sommes sur le 1er juillet, juin. Voilà, le 1er juillet, c'était là. Donc, le fait qu'il a publié, la courbe elle a commencé à croître. Voilà, donc jusqu'à ce qu'elle connaisse son meilleur pump. Voilà, là qu'on son meilleur pump. Et après, comme vous voyez, elle a fait 1097%. Donc, une fois qu'elle a commencé son premier pump, après, elle a commencé à perdre un peu de la valeur. Mais je sais que le baby Dogecoin, ça sera une crypto-monnaie qui sera un peu sur un long terme. Parce que lorsqu'il voit une crypto-monnaie sur laquelle Elon Musk met son petit grain de sel, pour moi, ce n'est pas une crypto-monnaie qui va perdre la valeur du jour au lendemain comme ça. J'ai une crypto-monnaie où les développeurs vont fuir, ils vont laisser la crypto-monnaie abandonner, ils vont prendre tout l'argent et se barrer. Elon Musk a mis son cancel dedans. Pour moi, c'est conseillé d'investir dedans. Voilà, même si je suis pas un conseiller en finance. Donc, vous le voyez. Voilà. Donc, je sais pas. Je vais vous montrer un peu. Pour 1000 francs, tu te prends. Pour 1000 francs, tu te prends. Attends. 1000 francs. Attends. Pour 1500. Attends. Pour 2000. Attendez, pour 3000. Bon, là, j'essaie de voir un peu plus. Je vais dire, pour 3000 francs, je te prends 1 milliard de pièces. Voilà, tu prends 1 milliard de pièces environ. Voilà, donc je vais vous montrer comment acheter. Pour acheter, c'est très simple. Vous partez. Je vous ai dit qu'on a un test. Je vais vous montrer comment acheter n'importe quelle crypto-monnaie pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous tapez sur Google Baby. Ok, vous tapez sur Baby Doge. Baby Dogecoin. Vous tapez baby Dogecoin, ok, et ensuite vous mettez BSC. BSC, ça signifie Binance Machine. Ça, c'est pour la monnaie que si vous voulez acheter Pit Jupiter, vous tapez Pit Jupiter BSC. Voilà, vous achetez Pit Bull, vous tapez Pit Bull BSC. Une fois que vous tapez BSC, vous allez prendre le premier qui s'affiche là, ok. Donc, vous prenez le premier. Ensuite, une fois que vous avez pris le premier, voilà, ça charge, ça sort. Voilà, ce que vous voulez chercher, c'est quand vous cherchez l'adresse contrat. Voilà, ça. Une fois que vous avez pris ça, vous copiez. Ensuite, vous vous rendez sur votre wallet. Vous partez dans The Apps. Vous descendez tout en bas. Et vous prenez .kakerswap. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on se réchauffe des Binance, machin, tout ça, je n'ai pas revenu là-dessus. Voilà, je n'ai pas revenu là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos précédemment là-dessus. Tu cliques sur ma chaîne, tu vas, tu cherches où est montré comment est-ce que tu achètes des cryptos à partir d'un compte Mobile Money. Ok, donc une fois que tu es ici, tu vas prendre Select et Currency. Ok, une fois que tu as pris Select et Currency, tu vas coller ça tout simplement. Tu colles l'adresse que tu as copié, il s'assoit Baby Dogecoin. Et ensuite là, tu mets, si tu as 0.002, tu achètes, voilà, tout simplement. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était un Nobel Caballero. Et je vous dis ciao, ciao. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore? Moi, j'ai rien à dire. Bye.